Bien-aimé en Christ Jésus, réattribuer les héritages désolés de la terre. Tel est notre thème du jour. Ésaïe 49, verset 8 dit: Je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour relever le pays et pour distribuer les héritages désolés. La formulation de la version française Louis II du verset ci-dessus, particulièrement la dernière partie, est un peu complexe. Mais la version anglaise NIV l'a simplifiée. Elle dit: rétablir le pays et réattribuer ses héritages désolés. Remarquez l'expression soulignée. C'est si puissant. Ce qui veut dire qu'en tant que peuple de Dieu, nous avons été désignés pour réattribuer les héritages désolés de la terre. En d'autres termes, dans les lieux où Satan a fait des ravages, nous pouvons renverser ses activités, ses manipulations et ses manœuvres et établir la volonté de Dieu. La Bible dit que les lieux sombres du pays sont pleins de rapaires, de brigands. Psaume 114, verset 20. Mais ce n'est pas suffisant de chasser les démons de tels lieux et régions. Nous devons réattribuer ces lieux aux anges et insister que seule la justice de Dieu y règne. Par conséquent, si vous avez remarqué des activités sataniques dans votre ville, commune, village, département, région ou pays, faites ce que Jésus a dit de faire dans Marc chapitre 16, verset 17. Chassez les démons pendant que vous priez avec ferveur en esprit et ordonnez-leur de ne plus se retourner. Ensuite, réattribuer ces régions auparavant dépourvues de l'Esprit de Dieu aux anges. Pourquoi cela est important? C'est à cause de ce que Jésus a dit. Il a dit que le démon que vous chassez va à part des lieux arides cherchant du repos, cherchant où aller. S'il n'en trouve point, il retourne dans la même maison d'où il est sorti. Et quand il la trouve vide, balayée et ornée, il prendra avec lui sept autres esprits plus méchants que lui. Matthieu chapitre 12, versets 43 à 45. Alors, vous devez apprendre à réattribuer les héritages désolés. Vous en avez l'autorité. Il y a des anges à votre service. Et ainsi, lorsque vous chassez des démons, esprits d'une famille, d'une ville ou d'une nation, dites au nom de Jésus, je réattribue cette famille, ville ou nation aux anges de Dieu. Le Saint-Esprit sait exactement lequel des anges est censé occuper ce lieu pour s'assurer que tout fonctionne selon le principe du royaume de Dieu et s'assurer que seule la parole de Dieu domine et prévaut. Dieu soit loué. Prions ensemble. Au nom de Jésus, j'ai l'autorité et le pouvoir pour régner et dominer sur Satan et les circonstances. Je déclare que la justice de Dieu et le règne du royaume de Dieu prévalent dans ma famille, ma ville et ma nation,
et Jésus est glorifié. Amen. Pour une étude plus approfondie, lisons Ésaïe chapitre 49, verset 8. Matthieu chapitre 12, verset 43 à 45. Nous espérons que vous avez été richement bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire aujourd'hui de Jésus votre Seigneur et Sauveur en priant ainsi de votre cœur. Ô Seigneur Dieu, je crois que Jésus-Christ est ton Fils unique. Je crois qu'il est mort pour moi et qu'il a été ressuscité des morts. À partir d'aujourd'hui, je confesse qu'il est le seul Seigneur et Sauveur personnel de ma vie. Merci Jésus de m'avoir sauvé du péché, même quand je n'étais pas conscient. Merci pour cet amour si grand pour ma personne. À partir d'aujourd'hui, ma vie t'appartient. Utilise-la. Fais-en ce que tu veux. Je m'abandonne totalement. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir et atteindre la stature parfaite de Christ, veuillez nous contacter à l'une des adresses ci-dessous, dans la description. Aussi, vous pouvez recevoir ce dévotionnel chaque mois afin de demeurer dans la parole de Dieu en nous inscrivant à l'adresse email dans la description ou via WhatsApp. Demeurez infiniment bénis. Amen.